aussi, pour certains, trouver son ou sa conjointe a été d'une simplicité enfantine. Pour d'autres, cela se révèle être un véritable parcours du combattant. Parmi les options qui existent pour trouver l'âme sœur, il y a les agences matrimoniales. Très en vogue et développées en Occident, ces agences, même si elles existent sous nos tropiques, se heurtent à nos réalités socioculturelles et religieuses. On en parle en détail avec notre invitée, Muslima. C'est tout de suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans Muslima, le magazine de la femme musulmane sur la télévision albayane. Nous sommes ensemble tous les vendredis à partir de 18h50. Vous pouvez nous suivre sur le numéro 193 du bouquet Canal+, sur nos pages Facebook et également sur notre application IP. Nous sommes donc ensemble pour une quarantaine de minutes environ. On va parler donc des agences matrimoniales et aussi comment est-ce qu'elles sont perçues sous nos tropiques. Avant de développer tout cela, je l'ai dit avec notre invitée, je vais vous présenter celle qui m'accompagne pour ce nouveau numéro de Muslima, Hawa Sangare. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Comment ça va? Alhamdulillah. Tu n'as pas dérogé à la règle, toujours en dampé aujourd'hui encore. Exactement. Et tu n'as pas dérogé à la règle, encore l'actualité avec toi. Exactement. Tu ne nous as pas fait le salut de la reine parce que vendredi dernier, tu as fait le salut de la reine, là, voilà, majesté. Alors, quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Alhamdulillah, les nouvelles sont assez bonnes. Assez bonnes. Elle a toujours, je ne sais pas, la notation assez bonne, pas très bonne. Ça sera l'appréciation de nos musulmans. Inch'Allah. À côté de toi, Madame Mandjou Fofana Touré, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Comment ça va? Alhamdulillah. Alors, qui est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans le portrait de la semaine? Une grande dame du paradis. Je vous laisse le suspense pour tout à l'heure. Inch'Allah. Ce sera donc dans la rubrique portrait. Je vais maintenant vous présenter celle qui va nous accompagner aujourd'hui et nous aider à y comprendre plus de choses concernant les agences matrimoniales. C'est bien sûr Maître Cissé Salimata. Salam alaikum. Bienvenue sur le plateau de Muslima. Merci. Vous êtes conseil juridique et matrimonial. Oui, on peut le dire comme ça. Alors, je suis conseil juridique. Voilà. D'accord. On va le dire comme ça. On va le dire comme ça. On a mis matrimonial dessus parce qu'on veut un peu percevoir ce dont on va parler aujourd'hui. Effectivement. Voilà. En tout cas, vous êtes la personne indiquée pour aborder la question des agences matrimoniales, surtout ici en Côte d'Ivoire. Avant donc de voir tout ça en détail, on va partir avec la première rubrique de cette émission, c'est l'actualité. Des nouvelles assez bonnes pour cette semaine à Wassangari. Exactement. Assalamu alaikum à toutes nos muslimates et bienvenue dans cette rubrique actualité. Nous débutons cette page d'actualité avec une bonne nouvelle pour les muslimats turcs. À l'approche des élections présidentielles et législatives prévues en 2023, le débat sur le port du hijab s'est récemment enflammé en Turquie. Dernier acte en date samedi dernier avec la proposition du président Recep Tayyip Erdogan d'organiser un référendum sur un changement constitutionnel pour garantir le droit de porter un voile dans la fonction publique, les écoles et les universités. Rappelons qu'à majorité musulmane, mais ayant inscrit la laïcité dans sa constitution, la Turquie a longtemps été un pays où le port du hijab était interdit dans ses trois institutions. Mais les restrictions ont été levées en 2013 par le gouvernement de M. Erdogan qui se présente souvent comme le protecteur des musulmans contre des élites laïques laissant entendre que sans lui, des acquis comme la levée des restrictions du port du hijab seront mis en danger. Qu'Allah le soutienne dans cette lutte noble pour notre communauté. Une tête qui n'est pas couronnée, mais voilée, le nouveau gouvernement de transition burkinabé accueille également une femme musulmane et voilée. Il s'agit du docteur Aminata Sabané, épouse Zerbo, qui occupait depuis le 1er avril 2021 le poste de directrice générale de l'Agence nationale de promotion d'éthique. Elle a également occupé le poste de secrétaire technique d'analyse et des études stratégiques
stratégique au sein du ministère du Développement de l'Économie numérique et des Postes burkinabé. Aujourd'hui, elle est ministre de la Transition digitale des Postes et des Communications électroniques. Loin de faire de la politique, c'est juste vous présenter l'une des personnalités qui dirige le Burkina Faso. La première mosquée du Royaume-Uni va commémorer son 133e anniversaire. En effet, érigée en 1889 à Woking, la belle mosquée de Shah Jahan, appelée ainsi à l'honneur de la souveraine Shah Jahan Begum du Bhopal, qui la finança partiellement. Après avoir été entièrement rehaussé, l'imam des lieux, Hafiz Saïd Hashimi, a accueilli avec fierté l'annonce de sa classification parmi les édifices d'un intérêt exceptionnel en mars 2018. Une première pour la première mosquée officiellement reconnue comme telle par la couronne britannique. Fin de votre rubrique Actualité. Merci beaucoup pour toutes ces belles nouvelles. On va partir tout de suite avec l'azan marquant le temps d'accomplissement de la prière Isha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Et voilà. Bon retour sur le plateau de Moussima où nous abordons aujourd'hui la question des agences matrimoniales. Maître Cissé Salimata, c'est quoi le rôle d'une agence matrimoniale au cas où certaines ne le sauraient pas? Alhamdoulilah, alhamdoulilah, rabbil alamin, alhamdoulilah, rabbil alamin. Alors, je vais déjà dire merci à Masséni Barry pour la présentation de cette émission. Beaucoup de courage. Merci. Et puis, c'est pas évident le direct. Je peux dire merci aussi à la télévision Albayane qui nous donne cette lucarne pour pouvoir nous exprimer. Alors, je suis maître Cissé, je suis conseil juridique. J'ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas ajouter matrimonial dessus parce qu'en réalité, le conseil juridique, il est conseil, comme on le dit, de tout ce qui est droit. Le droit de la famille, notamment, on peut l'appeler aussi le droit matrimonial, le droit des affaires, le droit du travail, etc. etc. Merci voilà. Pour la précision. Voilà. Donc, je suis conseil juridique. Et à cette occasion, je vais vous parler d'une agence matrimoniale. Je vais vous donner déjà la définition. Une agence matrimoniale est une entreprise ou une société de courtage qui est tenue par un professionnel. Je l'ai dit, c'est vrai qu'on voit un peu partout aujourd'hui, tout le monde veut parler du couple et tout ça. Mais bon, l'agence matrimoniale est une société de courtage qui est tenue par un professionnel du droit. Parce que d'abord, c'est régi par le droit de la famille, qu'on appelle le droit matrimonial, et le droit à l'information, le droit sur la confidentialité, etc. Mm-hmm. Et son activité, c'est de mettre en relation, en vue du mariage, des personnes de sexe opposé. Je le dis bien, des personnes de sexe opposé. Donc peut-être que l'agence matrimoniale, il sera défini autrement par, si on est sous d'autres sous d'autres législations. Voilà. Mm-hmm. Mais bon, c'est en vue du mariage de deux personnes de sexe opposé. Mm-hmm. Voilà, donc ça peut être le remariage pour des personnes veuves, pour des personnes divorcées, pour des célibataires. Voilà, donc c'est ça le rôle d'une agence matrimoniale. D'accord. Je peux vous donner la définition de façon succincte. Donc voilà. Mettre en relation des personnes en vue de mariage. C'est ça. Pour être un peu plus, on va dire, terre à terre. C'est Mais ça. J'ai bien aimé le fait que vous ayez précisé que ça doit être tenu et dirigé par un professionnel du droit. C'est ça. Parce que je ne sais pas si... c'est ce qui a cours, en tout cas peut-être en Côte d'Ivoire ou dans d'autres cieux, mais est-ce que, par exemple, pour ouvrir une agence matrimoniale, il faut avoir une autorisation du ministère, je ne sais pas moi, de la justice? Alors, pas forcément, mais je veux dire, si vous voulez ouvrir une agence matrimoniale, il faut bien que vous parliez de ce qu'on appelle le droit de la famille. Mm-hmm. Et pour parler de droit de la famille, il faut être un professionnel du droit. Mm-hmm.
Donc, vous verrez bien évidemment des personnes qui disent que bon, c'est une agence matrimoniale, mais en réalité, on va appeler ça, c'est des petits circuits qui mettent en relation des personnes. Je veux dire, il faut forcément que ça soit sur le fondement du droit de la famille, comme on le dit, parce qu'on est dans un pays de droit et on ne peut pas parler du couple. Certains ont tendance à penser qu'on peut parler du couple comme ça, mais le couple est régi par une loi qu'on appelle le droit de la famille. Donc, ce qu'on veut bien comprendre, c'est que c'est simplement que pour pouvoir mieux diriger une agence, il faudrait être une personne qui est du port juridique pour pouvoir mieux gérer les aléas qui peuvent se trouver tout autour. Alors, en tout cas, à mon sens, il faut que ça soit quelqu'un qui ait une formation adéquate. Quel type de formation? Par exemple, quelqu'un qui a fait du droit. C'est pour ça qu'on a parlé de... Vous savez, tout à l'heure, quand je me suis présentée, j'ai dit maître Cissé. Voilà, je suis juriste de formation. Et je me dis que c'est des choses, vous ne pouvez pas venir... Je vais vous prendre un exemple. Alors, quand on va se marier, comme on le dit, le mariage, c'est un contrat social dans lequel il y a des obligations, il y a des devoirs. Donc, si vous voulez parler d'une agence matrimoniale, il faut que vous puissiez dire au candidat au mariage que voilà vos obligations, voilà vos devoirs, même quand vous êtes dans le mariage, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et parfois, ça me fait un peu rire quand je vois sur les réseaux sociaux des personnes qui viennent, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Non, je vous prends l'exemple de monsieur et madame, par exemple, si vous êtes mariés, vous n'avez pas le droit de quitter le domicile conjugal sans l'accord du juge, par exemple. Donc, maître, ce que j'aimerais savoir, puisque ici on parle de l'agence matrimoniale dans le cadre musulman, quelle serait la spécificité de cette option-là, musulmane? Qu'est-ce qui va faire la différence d'une agence musulmane plutôt que d'une autre? Alors, vous savez, pour ouvrir une agence matrimoniale, je parle de ma propre expérience. On ne peut pas mettre en marge, il faut bien évidemment qu'on tienne compte de nos réalités ici, notamment la religion, la culture, les traditions. Donc, vous trouverez par exemple dans une agence matrimoniale où, quand vous êtes intéressé, vous êtes candidat, dans cette agence matrimoniale, on vous demandera votre religion, est-ce que vous êtes musulmane, vous êtes non-musulmane. Donc, bien évidemment, on tient compte de ça. Et je vous ai dit tout à l'heure que cette mise en relation est faite en vue du mariage. On ne vient pas, par exemple, dans notre agence matrimoniale pour avoir un petit ami. Voilà. Mais comment est-ce que vous faites le suivi? Alors, je vous explique un peu. C'est un contrat. Quand vous venez, il y a une fiche que vous remplissez. Et dans cette fiche, on vous demande, vous êtes musulman, votre religion, votre taille, qu'est-ce que vous recherchez et tout ça. Et quand vous finissez de remplir ça, on regarde et on a des personnes avec qui on travaille. Notamment, on a des imams, on a des sociologues, on a des psychologues. On a des détectives privés. Ah, waouh! Oui, parce que bien évidemment, vous remplissez une information dont on ne vous connaît pas. Et quand vous remplissez ces informations-là, on a dans ce contrat, on vous dit qu'on se réserve le droit de vérifier ces informations. Il y a une enquête de moralité sur les candidats. Voilà, il y a une enquête qui est faite par rapport aux informations que vous donnez. Donc, ce n'est pas des choses qui sont faites de façon fortuite. Vous comprenez? Donc, si vous êtes musulman, bien évidemment, on vous dira le profil qui va vous intéresser, c'est un homme musulman qui remplira aussi une fiche et on verra si ces deux profils collent. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas des choses qui sont faites au hasard. Voilà, c'est des choses qui sont bien peaufinées, qui sont faites comme je vous l'ai dit. On tient compte de la tradition, de la culture, de la religion, etc. On demandera, nous, on donne, en plus de ça, on donne des conseils. Ce n'est pas parce que vous avez tel profil qu'on dira forcément, bon, je veux telle personne. On vous dira, attention, si vous êtes musulmane, il est préférable pour vous de prendre un profil musulman. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on le dise, la religion est un problème dans le couple. C'est vrai qu'avant... Il est préférable, on sait que pour les musulmanes, c'est une obligation. Mais vous trouverez par exemple des personnes non musulmanes qui vous diront que, bon, écoutez, moi, je n'ai pas de problème. Si c'est un homme musulman, je suis prête. Mais le conseil qu'on leur donne, on leur dit, il est préférable pour vous d'être dans la même religion que la personne que vous souhaitez épouser. Donc, c'est le rôle de conseil aussi. Voilà, c'est le rôle de conseil. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, on a parlé de conseil matrimonial. Mais en général, quel est le profil des personnes qui viennent
demander ce service. Est-ce que c'est plus des hommes et des femmes, est-ce que c'est des personnes d'un certain âge? On veut tout savoir. Alors, le profil type du candidat. Alors, il y a tout type de personnes. Mm-hmm. Vous trouvez des jeunes filles de 18 ans, de 19 ans. Vous trouvez aussi des hommes de 60 ans, de 70 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'agence matrimoniale, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un sujet tabou, c'est différent d'un site de rencontre. Parce que vous trouverez un site de rencontre, c'est un espace virtuel dans lequel où tout le monde vient chercher ce qu'il veut. Justement, on a tendance à faire l'amalgame entre site de rencontre et agence matrimoniale. Voilà, une agence matrimoniale, comme je vous ai dit, l'agence matrimoniale est une société ou une entreprise de courtage tenue par un professionnel qui a pour activité de mettre en relation deux personnes de sexe opposé en vue du mariage ou du remariage. D'accord. Sur le fondement du droit de la famille et du droit de l'information. Ça veut dire que quand vous venez vous remplissez une fiche, il y a un contrat de confidentialité qui existe entre les candidats et l'agence matrimoniale. Vous n'avez pas le droit de divulguer des informations, vous n'avez pas le droit de faire ci, de faire ça, de faire ça. Et on ne peut pas vous dire, vous devez vous marier par exemple au bord de la plage sans que ça ne passe devant l'officier d'état civil. La loi vous dit que pour que le mariage soit reconnu, il faut que vous vous mariez devant l'officier d'état civil. Mm-hmm. Donc c'est intéressant parce que quand Manjou a abordé justement la question tout à l'heure de la spécificité d'une agence matrimoniale islamique, c'est pas, on va dire, la loi. C'est vrai qu'on vit dans un pays avec des lois, mais en tant que musulman, c'est l'islam ou la religion qui devrait ou qui prime bien sûr dans certains cas. Donc justement, vous allez, est-ce que dans votre cas, vous imposez au candidat d'aller faire un mariage civil? Ah non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Mais on vous dit, par exemple, les candidats musulmans qui viennent, on leur dit, d'abord, pour tous les candidats, moi, je suis musulmane. Et quand vous venez, vous vous inscrivez, on vous dit, ce n'est pas pour avoir un petit ami. D'ailleurs, les candidats n'ont même pas le droit d'échanger de numéro de téléphone. Mm-hmm. Parce que notre objectif, c'est le mariage. Si vous n'êtes pas musulman, c'est le mariage civil. Ou ce qu'on va appeler la dot ou cococo. Mm-hmm. Comme je vous le dis, c'est une agence matrimoniale. On ne peut pas le faire sans tenir compte de nos mœurs. Voilà, de l'environnement. De l'environnement dans lequel nous nous situons. Mais on a des prérogatives en notre qualité de musulman. On ne peut pas demander à un candidat qui vient pour ne serait-ce qu'avoir une petite amie. C'est interdit. Quand vous venez dans l'intention de vous marier. Peu importe que ce soit le mariage légal, que ce soit le mariage islamique ou que ce soit le mariage la dot. Coutumier. Mais vous venez dans l'objectif de contracter mariage. Donc c'est ça la particularité. Et vous n'avez bien, je vous engage justement à respecter cette clause-là. Bien sûr. Sous peine de voir ce contrat-là rompu. Rompu. À n'importe quel moment. Ah oui. Voilà qui est clair, évidemment. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur l'accompagnement? Parce que peut-être que dans la méthodologie d'accompagnement, la connotation musulmane va avoir plus son sens. Par exemple, si on sait que si c'est dans le cadre islamique, si ces deux personnes doivent se rencontrer, ils doivent le faire avec un mahram, par exemple. Est-ce que lorsque c'est un couple musulman, ces genres de détails, ils sont... Oui, bien sûr. On demande qu'il y ait absolument un parent. D'accord. Ça veut dire que c'est des rendez-vous qui sont organisés. Même si c'est un couple musulman, on demande qu'il y ait absolument un parent ou un ami. D'accord. Qui va les accompagner. Et à la suite du premier rendez-vous, comme je le dis, vous n'avez pas le droit d'échanger de numéro de téléphone. On va aller dans les détails tout à l'heure, maître. Désolée de vous interrompre. Il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, on va partir avec la première partie. Bienvenue sur la plateforme de la première radio télé IP de Côte d'Ivoire. Mon nom est Albayane. Vous avez votre téléphone ou votre tablette. Albayane vous offre la totale, un seul clic. Et le monde de l'information vous est gracieusement ouvert. Ici, c'est du 100% gratuit. Sur Android, allez vite avec ce petit clic de quelques minutes pour télécharger depuis Play Store le All-in-One d'Albayane. Vous avez un iPhone, c'est aussi facile que tout. Un seul clic, depuis Apple Store, pour télécharger gratuitement votre joyau, l'application mobile d'Albayane. J'ai dit all in one, le tout en un. Oui, Albayane vous offre un live direct TV en continu. Télévision Albayane. La chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue, vous êtes sur la télévision Albayane.
et faites télécharger l'application All in One d'Albayan sur Play Store ou Apple Store et restez connectés à tout moment, partout et sur tout support. Je suis Albayan, la première radio télé-IP des Côte d'Ivoire. Alhamdoulilah! Télévision Albayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. De Moussima, si vous venez de nous prendre en marche, vous tombez juste à temps pour la rubrique portrait. Alors, Mondjou nous parle aujourd'hui d'une dame du paradis, c'est bien ça? C'est bien cela. Alors, aujourd'hui, je mets en lumière, dans la rubrique portrait, une dame dont la foi solide à toute épreuve et l'amour inconditionnel pour Allah lui a valu une place au paradis. Découvrons ensemble, sans plus tarder, l'histoire de notre mère Mariam, qu'Allah soit satisfait d'elle, la pieuse, l'adoratrice, la silencieuse, la femme chaste. Autant de qualificatifs pour parler de cette immense source de pureté et de douceur. Je voudrais m'attarder sur quatre dimensions de sa personnalité. Première dimension, l'ascendance pieuse et la femme au destin d'homme. Notre mère Mariam, qu'Allah soit satisfait d'elle, fait partie de la tribu des Banu Israël. C'est la femme qu'Allah a citée 35 fois dans le Coran Al-Karim. Elle est la seule femme dont la sourate, dont une sourate du Coran porte le nom. La sourate 19, Mariam, qui lui est largement consacrée. Sa filiation est aussi mentionnée dans le Coran à la sourate 3, la famille d'Imran. Une famille de prophètes à laquelle appartient le prophète Souleymane, fils du prophète Daoud. Mariam est la fille de Imran, un grand savant et homme pieux de cette tribu, et d'une femme pieuse du nom de Ina bint Fakoud, pour remercier Allah de ce grand bienfait, qui est l'enfantement après plusieurs années d'infertilité. Ina avait consacré Mariam au service d'Allah, au masjid Bayt al-Maqdis. Notre mère Mariam eut donc ce privilège et cet honneur d'assumer cette responsabilité, normalement dédiée aux hommes, de s'occuper de ce lieu de culte. Deuxième dimension, la femme pieuse et les signes pour la créature. Allah a accordé à Mariam des prodiges manifestes qui étaient autant de signes surprenants témoignant de la surpuissance d'Allah. Ainsi, lorsque le prophète Zacharia, son parrain, entrait dans son alcôve, il retrouvait chez elle des fruits d'hiver en été et des fruits d'été en hiver. Elle recevait sa manne de son Créateur à travers ses envoyés, les anges. Troisième dimension, la femme élue, le réceptacle de miracles. C'est une femme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élue parmi toutes les femmes de l'univers pour lui confier un dépôt précieux et la faire vivre la plus miraculeuse des naissances de tous les temps. Allah l'a choisie pour porter le prophète Issa sans passer par les lois mondaines de la reproduction. Allah nous apprend aussi que des anges la visitèrent et l'informèrent du statut particulier qu'elle occupait au sein de l'humanité en ces termes dans son livre saint. Et un jour, les anges dirent à Marie, « Ô Marie, certes, Allah t'a élue et purifiée et t'a préférée à toutes les femmes de la création. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent en prière. » La sourate 3 du Coran, les ayats 42 et 43. Quatrième dimension, la naissance miraculeuse du prophète Issa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mentionna la naissance du prophète Issa dans le Coran, dans la sourate Mariam, dans des versets qui font frémir les cœurs vivants, des versets sublimes et magnifiques. Je vous partage un extrait. Elle devint donc enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis, les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier et elle dit « Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant » et que je fusse totalement oubliée.
Alors il appela au-dessus d'elle, lui disant, « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, « Assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » Donc, c'est les versets 22 au 26. Notre mère Mariam était une femme honorable, chaste, pure, qui a fait preuve de patience à l'égard du tort causé par son peuple au sujet de son fils Issa alayhi salam. Elle a supporté cette nuisance pour la recherche de l'agrément d'Allah et par espérance de ses récompenses. Qu'Allah soit satisfait d'elle. Amine, merci pour ce portrait qui nous a transporté, machallah. On était toutes suspendues à tes lèvres. Merci infiniment de nous avoir présenté notre mère Mariam, alayhi salam. Nous poursuivons nos échanges sur les agences matrimoniales face aux traditions et cultures. Et nous sommes avec Maître Cissé Salimata, conseil juridique. Maître Cissé, quel est l'état des lieux ici en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a beaucoup d'agences et est-ce que ces agences-là sont beaucoup sollicitées? Merci, Masséni Bari. Alors, je pense que j'ai dû participer à un salon qu'on appelait le salon du mariage. Et j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'agence matrimoniale en tant que telle. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Je suis peut-être la première. Mm-hmm. Je sais qu'il y a des petites soirées qui s'organisent en vue de mettre des personnes en relation. Mm-hmm. Mais des agences matrimoniales, comme je les définis, j'en ai pas encore rencontré. Je pense que j'ai dû sillonner quelques ministères pour voir est-ce qu'il y avait déjà des agences matrimoniales, mais bon, je n'en ai pas rencontré. Alors, ce qu'il faut dire, je pense que tout à l'heure, quand vous avez annoncé, vous avez dit les agences matrimoniales se heurtent à nos réalités. Je pense qu'on ne se heurte pas aux réalités, mais bon, peut-être que c'est un peu un complexe qui est venu du fait qu'on n'a pas la connaissance de ce que c'est que l'agence matrimoniale. D'accord. Alors, vous savez, avant, quand vous regardez, quand on fait les statistiques aujourd'hui sur les divorces, en Côte d'Ivoire, en 2020, il y a eu 40% de divorces. Donc je vous dis, s'il y a eu 100 mariages, il y a pratiquement... Près de la moitié quand même. Près de la moitié, 40-45% qui ont divorcé. Et ça, ça va faire pratiquement une dizaine d'années que les divorces sont récurrents en Côte d'Ivoire. Alors... Et si vous prenez avant 1990, on a constaté qu'il y avait moins de divorces. Pourquoi? Parce que nos parents, on était dans la relation de... On voit le fils de tel qui va épouser telle personne. C'était un peu comme... Des mariages arrangés. Voilà, des mariages arrangés. Hein? Un peu comme on prend telle personne, on dit, bon, on va regarder. Et puis d'ailleurs, le professeur Alayhi Salam a dit, Père bénédiction sur lui, si vous voulez épouser une femme, ou un homme, il faut déjà voir dans cette famille est-ce que c'est une famille qui a une bonne moralité, ainsi de suite. C'est la même chose que nos parents ont fait avant. Du coup, vous voyez un peu que dans les années 1980, 75 jusqu'à 80, un peu vers 90, il y avait moins de divorces. Parce que c'était des mariages qui étaient arrangés. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est-à-dire, le constat est fait. Vous remarquez qu'aujourd'hui, il y a plus de divorces qu'avant. Parce qu'avant, on prenait le temps de regarder un peu comment la famille se comporte, comment la dame elle est, est-ce qu'elle est de bonne moralité. Mais à partir de 90 jusqu'à de nos jours, on s'est dit, bon, ça c'est la vieille époque. Et nous, on veut aller peut-être au restaurant, on connaît quelqu'un, on voit cette personne, ah, elle me plaît. Et on s'oppose même aux parents, à la limite, on dit non, on ne peut pas, laisse-moi faire mon choix parce que c'est mon choix, ainsi de suite. Mais ce n'est pas des choix qui sont nourris par les fondamentaux du mariage. D'accord. Ce qui fait qu'on constate beaucoup de divorces aujourd'hui. Et nous avons réfléchi, nous nous sommes dit, à force de faire des procédures de divorce, on s'est dit bon, on va essayer de mettre une agence matrimoniale en place. À la différence de ce que nos parents faisaient, on va moderniser la chose. Mm-hmm. C'est-à-dire, on prendra les informations, les parents et tout ça, et puis on essaiera de mettre les gens en contact. Parce que quand vous venez dans une agence matrimoniale, vous venez en vue du mariage, ce n'est pas pour s'amuser. Mm-hmm. Alors que quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue ou dans un restaurant, etc.,
nul ne connaît l'intention de l'autre. Oui. Donc ça, ça fait la différence. C'est-à-dire, l'agence matrimoniale, vous venez, vous vous connaissez en un rien de temps. Ça veut dire, avec l'identification que vous avez les uns les autres, avec les enquêtes de moralité qu'on fait, en moins d'une semaine, vous savez déjà que telle personne est originaire de tel endroit, elle a fait ci, elle travaille là. Mais quand vous connaissez quelqu'un comme ça, la personne n'est pas obligée de vous donner les informations dont vous avez besoin. Donc, nous sommes en train de revenir à l'ancien système. L'ancien système. Mais est-ce que l'ancien système, voilà, justement, le fait qu'il y avait moins de divorces, mm-hmm, c'est parce que aussi il y avait cette question d'honneur, de ne pas salir le nom de la famille. Et donc, nos mamans, parce que souvent, on le dit, on ne va pas se le cacher, c'est nos mamans qui supportaient beaucoup et qui restaient dans ces mariages-là. Est-ce que le fait d'être dans un mariage dans la durée, ça voulait forcément dire que c'est des mariages peut-être heureux? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, mais justement, c'est quoi un mariage heureux? Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, on a tiré un peu nos idéaux sur peut-être l'Occident. Mm-hmm. C'est quoi un mariage heureux? Mm-hmm. C'est quoi un mariage heureux? Parce que un mariage, c'est l'amour de Dieu d'abord. On se marie parce qu'on veut être en conformité avec notre Dieu. Mm-hmm. Et je ne crois pas que ce que nous, on appelle l'amour, comme on le dit, c'est ça, en réalité, le bonheur. C'est ça la différence. Est-ce qu'aujourd'hui, pour nous, le bonheur, le constat est là. Vous avez vu qu'avant, il y avait moins de divorces. Et aujourd'hui, ce qu'on a appelé le mariage, le bonheur, on veut vivre un peu le bonheur, l'idéal. Moi, je connais l'idéal. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle le bonheur? Parce qu'il faut percevoir aussi le mariage selon les critères de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais justement, lorsque des personnes vont vers les agences, est-ce que ce n'est pas pour trouver l'idéal? Ah non, pas du tout. Si elles viennent pour trouver l'idéal, dans ce cas, c'est quoi l'idéal pour ces personnes? Parce que vous trouvez des personnes qui viennent, qui vous disent, bon, écoutez, moi je veux un homme riche, qui a déjà une voiture, une bonne situation, qui a déjà une belle situation. Est-ce qu'en réalité, c'est ça le bonheur? Mais ces personnes viennent vers l'agence pour pouvoir... Bien sûr. Peut-être qu'on désespère de cause aussi. Comme on vous le dit, nous sommes conseils. Ce n'est pas parce que vous venez en vue d'avoir un homme qui a déjà une voiture, qui a chez lui, ça veut dire qu'automatiquement, c'est cette personne qu'on doit vous trouver comme profil. On vous explique déjà, je vous ai dit, le mariage, c'est un contrat social dans lequel il faut connaître ses obligations, ses droits, etc. Moi, je pense que sur la question, on pourrait avoir autant de positions que de personnes sur Terre. Parce que le bonheur, c'est quelque chose de vraiment très personnel et de subjectif aussi. De très subjectif. Et moi, ce que je retiens de l'intervention de Maître, c'est que la première chose, c'est que les agences, le principe des agences matrimoniales de faire la mise en lien de personnes, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les parents le faisaient avant et ça marchait très bien. Donc, on peut le réitérer. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai une question à deux volets. La première, c'est est-ce que les parents qui, dans le temps, avaient la possibilité d'influer justement sur le choix des parents, est-ce qu'eux, ils sont à l'aise avec le principe des agences matrimoniales? Ça, c'est une première question. Et le deuxième volet de la question, c'est est-ce que les soupirants, les personnes qui vont vers vous pour avoir accès à ce genre de sexe, est-ce que ces personnes-là ont plus confiance en une agence matrimoniale qu'à leurs parents? Et qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui... marque le coup, la différence entre ce que vous leur apportez et ce que les parents faisaient à l'époque ou ce que les parents peuvent encore faire aujourd'hui. Je vais répondre déjà à votre première question. Alors, vous savez qu'il y a des parents qui nous appellent. Ah bonjour, j'ai entendu parler d'une agence matrimoniale. Je souhaite que mon fils puisse se marier ou je souhaite que ma fille puisse se marier. Est-ce que je peux vous donner son contact? Ça, c'est génial. Donc, les parents adhèrent. Les parents adhèrent. Ils adhèrent, ils ont confiance. Ils adhèrent parce qu'ils ont retrouvé l'ancien système en une agence matrimoniale. Mais un peu plus modernisé. Quand je vais dire modernisé, la différence entre l'ancien système et l'agence matrimoniale, c'est que vous avez la latitude de choisir la femme qui vous plaît. C'est-à-dire, vous donnez votre critère. Non, il n'y a pas plusieurs femmes. Vous donnez vos critères et on vous montre quelqu'un qui rentre dans vos critères. Tout à fait. Donc, je veux dire, à la différence, avant, on te disait, ah bon, ça, c'est la fille de ma sœur. Est-ce que tu ne veux pas l'épouser? Vous n'avez pas le choix. Alors que quand vous venez dans l'agence matrimoniale, vous dites, bon, moi, j'aime plutôt les femmes claires, j'aime les femmes grandes,
J'aime les femmes petites de taille. Avec un bac plus 10. Voilà. Alors, je veux dire que c'est une recherche affinée, comme oui, on va le dire. Donc, c'est ça la différence entre l'ancien système et le nouveau système. Donc, vous avez la possibilité de donner vos aspirations, ce que vous souhaitez avoir. Est-ce que c'est une femme grande? Est-ce qu'elle est une femme forte, etc.? Et nous, l'accompagnement vient. Okay. On vous dira, voilà les obligations du mariage. Quand vous décidez de vous marier, voilà ce à quoi vous devez. Et on a même contacté des imams à qui on a demandé de faire un projet de formation au mariage. Parce qu'on a constaté aussi que nous, dans la communauté musulmane, c'est le jour du mariage qu'on vous dit, ah, il ne faut pas faire ci, si ton mari fait comme ça. Mm-hmm. Non, le mariage, ça se prépare. Ouais. Moi, je dis peut-être 2-3 ans avant, ça se prépare. Il faut former la femme, il faut former les candidats au mariage. Mm-hmm. Autant l'homme, autant la femme. Mais on attend, nous, dans notre communauté, malheureusement, le jour du mariage. Pour recevoir les conseils d'usage. Alors, contrairement à nos frères de l'autre côté, vous avez 3 mois ou 4 mois de formation, de cheminement, comment il faut se conduire dans le mariage et tout ça. Et moi, j'ai rencontré plusieurs imams, je leur ai dit, vraiment, je suis jalouse de l'autre communauté, là, parce que je veux aussi qu'on fasse la formation au mariage. Je veux que les mosquées puissent... Il y a une école du mariage dans la communauté. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le fait qu'on dise qu'il ne faut pas retarder le mariage, souvent, voilà, c'est cet argument-là qui est souvent donné, comme quoi... Il ne faut pas retarder le mariage, il faut se marier le plus tôt. Donc, du coup, cette question de cheminement, d'accompagnement, de formation peut-être poser problème à ce niveau-là. Alors, moi je ne crois pas. Hein. Mm-hmm. Je ne crois pas. Si vous voyez une prétendante que vous aimez, je ne crois pas que c'est la semaine qui suit que vous allez vous marier. Effectivement. Bien. Et puis, je ne fais pas négliger quelque chose qui va vous rattraper. Voilà, qui va vous rattraper, parce que c'est ça le problème. Et aujourd'hui, quand nous, on va pour des procédures, malheureusement, on trouve beaucoup de nos soeurs et nos frères musulmans qui viennent pour divorcer. Et quand l'imam intervient, malheureusement, c'est quand il n'y a plus d'issue. Alors que c'est des choses qu'on aurait pu éviter en faisant des formations. 3 ou 4 mois. Donc, me permet, j'ai envie de rebondir sur un mot qui revient à chaque fois. La modernisation des étapes pour pouvoir mettre les personnes en contact. Maintenant, parlons de cette étape qu'on oublie souvent. Vous, à votre niveau, quelles sont les procédures que vous entamez lorsque le profil est engagé, que les deux sont consentants et autres? Comment les rencontres se font et quelles sont les activités que vous mettez en place pour que ces personnes-là viennent? Et est-ce que cela répond aux exigences du maharam ou bien de la charia? Bien sûr. Alors, je vous ai dit déjà, la rencontre, comment elle se fait? D'abord, c'est des rencontres qui se font dans des lieux publics. Ça, c'est un. Et puis, de deux, il y a toujours un accompagnement. Et dans votre contrat, quand vous venez vous signer un contrat, avant même qu'on ne puisse vous trouver un profil, vous avez un contrat dans lequel on vous dit que vous n'avez pas le droit d'avoir des échanges avec le candidat qu'on va vous présenter en dehors de notre structure. C'est un contrat qui est clair. Si vous le faites... Un chaperonnage, en fait. Oui. Un chaperonnage. Oui, un contrat. Un contrat que vous signez, que toutes les parties doivent signer. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de glisser le numéro sous la table. Non. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Non, vous n'avez pas le droit. Si vous le faites... Il n'y a pas des petits malins qui essaient de déroger à la... Non, si vous le faites, vous n'engagez pas notre responsabilité. S'il y a un problème... C'est un contrat qui est déjà signé. Si vous le faites, vous êtes de grandes personnes. Mais si vous le faites, ça n'engage pas notre responsabilité et on va rompre le contrat. Alors, maître, pardon de vous interrompre, mais on ne pourra pas aller dans toutes les étapes que Awa a sollicitées. On va juste avoir 2 ou 3 conseils qui seront en même temps vos mots de fin. D'accord. Alors, je dis merci déjà à la télévision Al-Bayan et à toutes les personnes qui sont là pour la réalisation de cette émission. Alors, ce que moi, je vais conseiller vraiment à ma communauté, moi, je souhaite que notre communauté, ça nous fait mal quand on part au tribunal et qu'on voit des couples musulmans qui viennent pour divorcer parfois 2 ans de mariage, parfois 1 an de mariage. Alors, la loi en Côte d'Ivoire vous dit que vous ne pouvez divorcer qu'à partir de 2 ans de mariage, à moins que ce soit un divorce consensuel. D'accord. Le conseil. Alors, moi, ce que je vais vous dire, vraiment, il faut que nos guides puissent donner des formations adéquates à nos sœurs et à nos frères qui sont candidats au mariage. C'est très important. C'est vrai que les gens viendront pour qu'on les mette en relation,
Mais le tout, ce n'est pas de mettre des gens en relation, faire des mariages. Parce qu'on a, on a près de 35 000 mariages. Mm-hmm. Le tout, c'est de conserver ce mariage-là. C'est d'avoir un foyer qui est digne de ce qu'on appelle un foyer musulman. Merci beaucoup, maître. Voilà. On va se laisser avec ces belles paroles. Avoir un foyer digne de la communauté musulmane. Bien sûr. Merci beaucoup, maître Cissé Salimata. Je rappelle que vous êtes conseil juridique. Merci d'avoir été sur ce plateau pour nous parler des agences matrimoniales, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, en tant que musulman surtout. Merci à Wassongaré pour les nouvelles. Merci à Amandou Touré pour le portrait. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission qui est rediffusée, Inch'Allah, à 22h. Merci à l'équipe technique qui l'a réalisée. Rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain pour un autre numéro de Moussima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alaykoum salam. Alaykoum salam.